Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier la notion de diagramme de chromaticité et la façon dont nous allons pouvoir, à l'aide de ce diagramme, caractériser une couleur. Voilà, donc on vous donne le diagramme de chromaticité, donc élaboré par la Commission internationale de l'éclairage. Donc vous voyez que vous avez une graduation X, une graduation en Y pour positionner la couleur que vous souhaitez caractériser. Et donc le diagramme de chromaticité, donc il correspond donc ici, vous voyez, à l'ensemble des couleurs que vous allez pouvoir caractériser. Donc il est gradué sur son pourtour entre 380 nanomètres et 700 nanomètres. Donc ça va correspondre à l'ensemble des couleurs pures, d'accord? Et donc vous avez une ligne entre le 380 et le 700 nanomètres qui va correspondre à l'ensemble des couleurs pourpres. Voilà. Et donc vous avez également ici une ligne qui va vous permettre de caractériser donc une couleur à partir de sa température de couleur. D'accord? En éliminant à partir de sa température de couleur. Donc par exemple, un corps noir qui est chauffé à 4000 Kelvin. D'accord? On va pouvoir le positionner à ce niveau ici. Et donc ça va correspondre à quelque chose qui va être jaune-orangé. Voilà. Donc je vous donne ici dans le tableau donc, les différentes couleur, d'accord, grossièrement, avec un intervalle de longueur d'onde qui correspond donc approximativement à ces couleurs. Donc on va commencer par positionner l'objet que l'on souhaite caractériser. Donc on considère ici un objet de coordonnées x égale 0,15, y égale 0,5. Donc je vais ici regarder ici. Donc mon objet, si je veux le positionner, donc on a x égale 0,15, y est égal à 0,5, donc je vais avoir mon objet que je souhaite caractériser qui va être situé ici. Donc je vais l'appeler C, d'accord, comme couleur. Voilà, donc ça c'est la couleur que je souhaite caractériser. Donc cet objet, il est éclairé par un illuminant de température de couleur 3000 Kelvin. D'accord, donc ici de la même manière, je vais pouvoir positionner mon illuminant, d'accord. Et donc, il peut être assimilé à un corps noir chauffé à une température de 3000 Kelvin. Donc, mon illuminant, ici, je vais le positionner à 3000 Kelvin. Donc, on vous demande de caractériser, justement, la couleur C, d'accord, en indiquant tout d'abord sa longueur d'onde dominante en nanomètres. Donc, je vous ai dit que les longueurs d'onde dominantes, donc les couleurs spectrales pures, sont situées ici sur le pourtour de mon diagramme de chromaticité. D'accord? Donc vous avez un illuminant qui va venir éclairer un objet donc, de couleur C. Et donc pour déterminer la longueur d'onde dominante de cette couleur C, il va falloir tracer la demi-droite qui part du point I jusqu'au point C et qui va donc venir couper ici le pourtour de mon diagramme de chromaticité en un point que je vais appeler S, d'accord, et qui va correspondre à la saturation de ma couleur. Donc je vais tracer la demi-droite, ici, entre I et C. Voilà, alors. Voilà. Donc je vais la prolonger un petit peu dans l'autre sens, avec des pointillés, si je veux. Voilà. Donc ici, la demi-droite qui part du point I jusqu'au point C va venir couper donc le pourtour en un point que je vais appeler S. Voilà. Donc ça va correspondre à ma couleur de saturation. Voilà. Donc si je regarde au niveau de la graduation, d'accord, donc au niveau de la graduation, vous avez 500 nanomètres qui est juste à côté du point S et vous avez le 520 nanomètres qui est beaucoup plus haut. D'accord, donc en gros, on va avoir le 500, ensuite on va avoir le 505, le 510, etc. Donc mon point S, on va considérer qu'il est environ égal, il se situe à une longueur d'onde qui correspond à 501 nanomètres. Voilà, donc je l'avais déjà écrit ici.
Ensuite, pour déterminer la teinte dominante justement de cette couleur C, d'accord? Donc qui correspond justement à ce point S ici, hein, donc la longueur d'onde dominante, la couleur dominante est caractérisée par ce point S, et donc par une longueur d'onde de 501 nanomètres. Donc il suffit que j'aille regarder dans le tableau ici, et donc les 501 nanomètres, vous voyez, entre 490 et 570 nanomètres, ça correspond à du vert. Donc la teinte dominante de mon point C, éclairé par l'illuminant I, va correspondre à du vert. Voilà. Ensuite, donc pour déterminer le taux de saturation de ma couleur C, mais il faut savoir que si le point C était situé plutôt du côté S, ben on aurait une couleur qui serait saturée à 100%. Si mon point C était situé plutôt du côté du point I, donc très proche ici en position de l'illuminant, on aurait une couleur qui serait saturée ben, à 0%. D'accord? On aurait une couleur qui serait proche de celle de l'illuminant. Et donc pour déterminer le taux de saturation ici de ma couleur C, mais on va pouvoir utiliser la formule. Donc je vais l'appeler donc taux de saturation. Donc le taux de saturation va être égal à la longueur CI divisé par la longueur SI. Voilà, donc on voit bien que si C est proche du point I, CI vaut 0, donc on aura un taux de saturation qui sera égal à 0%. Et si C était proche du point S, on aurait CI qui serait égal à SI, donc on aura un taux de saturation de 100%. Donc ça paraît cohérent. Donc avec la règle, donc moi je vais essayer de faire la mesure sur mon écran. Donc CI, donc vous n'allez pas forcément avoir la même mesure. Hein, donc CI, moi j'ai, on va dire, 5,2 cm. Et donc SI, si je mesure, je vais avoir 7,7 cm. Voilà. Donc si je fais ici l'application numérique, donc je vais faire donc 5,2 divisé par 7,7. Et donc je vais obtenir un taux de saturation qui va être égal environ à 67,5%. D'accord? Donc je trouve 0,675 qui correspond à un taux de saturation de 67,5%. Voilà. Donc ça, c'est mon taux de saturation. Donc ça, je vais le mettre au niveau du logiciel. Donc je vais être à 67,5. Ensuite, donc on vous demande de déterminer la longueur d'onde de la couleur complémentaire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ma couleur éclairée par cet illuminant I, donc on pouvait avoir la longueur d'onde dominante en traçant la demi-droite. Et si je prolonge de l'autre côté cette demi-droite, donc pour faire une droite, donc c'est ce que je vais essayer de faire là maintenant. Donc si je prolonge ici cette droite, elle va venir couper le spectrum locus ici en un point, donc que je vais appeler, on va dire S', donc c'est une couleur saturée de la même manière, et S' va correspondre justement à la longueur d'onde de la couleur complémentaire ici. Donc S', vous voyez, donc de la même manière que tout à l'heure, donc j'ai mon 600 nanomètres ici, j'ai 620 nanomètres ici, et S', donc le 620 nanomètres, vous voyez, il est ici, hein, et le 600, il est ici. Donc je vais avoir ici une longueur d'onde qui va être comprise entre 600 et 620, donc plutôt du côté de 620 nanomètres, et donc je vais avoir une couleur complémentaire, on va dire, qui est environ égale à 618 nanomètres. Voilà. Et donc la teinte de cette couleur complémentaire, donc si on est à 618 nanomètres, on va être plutôt dans une teinte qui va être bon orange limite rouge. D'accord? Donc je vais mettre orange. Voilà. Voilà donc pour la caractérisation de ma couleur C éclairée par un illuminant I. Donc on a pu déterminer
La longueur d'onde dominante, donc ça va être la couleur qui va être perçue en fait à l'œil nu, hein. Donc cette couleur-là, ici, on va la percevoir verte lorsqu'on l'éclaire par cet illuminant I. Et donc sa couleur complémentaire, donc c'est la couleur qui est à l'opposé ici, au niveau, lorsqu'on va dans l'autre sens, au niveau du tracé de la droite IC. Voilà. Donc je vais valider. Et donc on a bien ce que nous avons déterminé. D'accord? Donc longueur d'onde dominante c'est 501, la teinte est verte. Donc le taux de saturation, donc moi j'ai trouvé 67,5, on a 63,5. Donc c'est juste un petit problème juste de tracé de la courbe. Hein, donc c'est pas. Voilà, c'est validé. La longueur d'onde de la couleur complémentaire, donc 615 nanomètres, donc ça correspond bien à peu près à ce que j'ai mesuré. Et donc ça correspond bien à du orange. Voilà, merci de m'avoir écouté et donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.